Julien Doré en deuil. Sa grand-mère est morte à l'âge de 102 ans. Samedi 28 octobre, Midi Libre a annoncé le décès de Aimée Pratt, dans la résidence de Saint-Hilaire de Bretma, dans le Gard. Elle était la grand-mère de Julien Doré, et avait 102 ans. Une année difficile. Samedi 28 octobre, le journal Midi Libre a annoncé la mort de la grand-mère de Julien Doré. Âgée de 102 ans, Aimée Pratt se serait éteinte au sein de la résidence de Saint-Hilaire de Bretma, dans le Gard, lieu où elle séjournait depuis plusieurs années. En 2021, celle qui a été militante syndicale y avait célébré son 100e anniversaire, en présence de son petit-fils. Selon le média régional, l'Alésienne, veuve de mineurs, a longtemps fait valoir ses convictions pour les droits des femmes de mineurs morts dans l'exercice de leur travail sous les bannières de la CGT. Le 4 septembre 2020, pour rendre hommage à cette femme qui l'a guidée vers la musique, Julien Doré lui avait dédié son 5e album, intitulé Aimée. Pour les Échos, l'artiste avait confié combien sa mère et sa grand-mère avaient été des sources d'inspiration dans sa démarche artistique. On retrouve ce qu'elles ont injecté en moi, dans mon éducation, dans mon enfance et mon adolescence. Elles m'ont aidé à m'accrocher à mon langage artistique et à mes idées. Et de poursuivre. Tout ça prend aujourd'hui la forme d'un engagement et d'une honnêteté avec ce que je tente de défendre, que je parviens à exprimer avec de plus en plus de liberté et de facilité. Sa mère, l'autre femme de sa vie. L'année 2023 est synonyme de tristesse pour elle, interprète de Chou Wasabi. Le 29 mai dernier, le chanteur de 41 ans annonçait le décès de sa maman, Raymonde Doré, par le biais de son compte Instagram. Face à ses quelques 931 000 followers, le père de famille a expliqué. Sans elle, presque tout s'éteint, fans, font. Le fils que je reste monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Pour conclure son triste message, celui qui a été découvert dans La Nouvelle Star en 2007 a finalement lâché. Dépêchez-vous de bien vivre, d'avaler le temps, tout s'en va, toujours, un jour, même les mamans.